ça donne en tout cas, on va dire, une qualité de vie, de tranquillité. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas, donc pour être un peu en tongs et en bermuda tout au long de l'année. Et voilà, donc c'est quand même assez agréable. Je suis un père, comment on pourrait dire, passionné. J'aime bien jouer avec eux. Bon, pour les grands, malheureusement, pour eux, j'étais en carrière et je suis passé un peu à côté pas de l'éducation, mais un peu à côté. En plus, derrière ça, après mon accident, j'ai divorcé, donc ça a été un peu plus difficile pour eux. Mais pour le petit dernier, là, par contre, je suis un père, un papa qui vit au quotidien avec lui. Et voilà, donc je suis à fond derrière. Je trouve qu'en tant qu'homme, on apprécie beaucoup plus un enfant quand on a passé la quarantaine. Quand on a, j'irais, 25 ans, un homme, il n'est pas encore assez mature pour avoir un enfant. Et après 40 ans, on est beaucoup plus sage et beaucoup plus, on va dire, concentré sur ce qui arrive. Ils sont maintenant un peu trop grands pour partir dans ce domaine-là. En tout cas, ma fille, Clara, elle fait une école de commerce, elle a 20 ans. Donc, je pense pas que le sport aujourd'hui, c'est une vocation pour elle. Elle en fait de temps en temps pour se faire du bien. Et mon fils, par contre, lui, il a intégré depuis quelque temps une équipe de rugby. Donc, il fait du rugby. Je le poussais un peu pour qu'il aille vraiment dans le haut niveau du rugby, parce que c'est un sport que j'apprécie beaucoup, notamment par sa culture et par son côté du respect par rapport aux personnes. Donc, je trouvais ça un sport en tout cas génial. Mais je vois qu'il décroche un peu et qu'il en fait pour se faire plaisir avec ses potes, mais qu'il ne veut pas passer au-delà. Donc, le dernier espoir, c'est le petit dernier, c'est Eden. Donc, on va voir. Donc, je vais. Bon, c'est quelqu'un qui est plein de vie et on verra quand il va faire 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est à ce moment-là, on verra s'il a la fibre du sportif, parce que il faut être un peu un fonceur, mais avoir envie aussi de souffrir, parce que pour faire du sport de haut niveau, tout dépend le sport, il faudra avoir ce côté-là.